propriétaires vont travailler. Alors, c'est assez intéressant d'en parler dans ce quartier-là, parce que l'art urbain, en fait, a connu une vraie modification de perception, en fait, au cours des dernières années. Il y a encore 10 ans, c'était perçu comme du vandalisme. Aujourd'hui, c'est très valorisant d'avoir un travail de cette nature sur son mur, sur une façade de commerce. Et on pourra le voir d'ailleurs juste un peu plus loin dans la rue des 5 Diamants, où la plupart en fait, des commerces présents dans cette rue disposent d'un pochoir d'un artiste urbain. Et c'est super valorisant finalement d'avoir ce type de travaux sur sa façade. Il y a même un bar qui s'appelle le Merle Moqueur dans la rue de la Butte aux Cailles, où il y a un pochoir en fait, de mystique qui a été posé là il y a une dizaine d'années. Et en fait, le propriétaire a repeint sa façade. Et il a juste fait un petit carré autour du pochoir, donc la couleur du mur est totalement différente, juste pour préserver le pochoir. Donc on peut voir bien le changement de perception qu'ont les gens envers le street art.